Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, ça va être une story time. Franchement je vais pas vous mentir, j'ai grave hésité avant de faire cette story time. C'est une histoire qui implique trop de gens, bon pas vraiment mais bon bref, c'est une histoire qui implique quand même quelques personnes. Et puis c'est pas drôle, c'est vraiment pas marrant du tout, tu vois ce que je veux dire. Ça a créé quelques problèmes et tout et tout. Après je me suis dit bon regarde, l'histoire elle date d'il y a 3-4 ans, 4 ans même je pense hein. Elle date d'il y a super longtemps, donc en vrai de vrai vas-y c'est passé, on a pu plus ou moins régler les choses, enfin je pense hein. Je vais rentrer dans les détails mais je veux dire je vais pas trop rentrer dans la vie intime des gens et tout parce que bon c'est un peu bizarre. Donc du coup voilà, donc les gars j'espère que cette story time va vous plaire. Installez-vous bien les gars, installez-vous bien et puis on va directement commencer avec la vidéo, ok? Alors pour vous raconter un petit peu cette histoire, je vais vous raconter le jour, ou même pas le jour, la période où j'étais accusée à tort par ma pote. Et ça a duré pendant genre un bon petit mois ou même peut-être même 2 mois, un truc comme ça. Mais c'était un truc de ouf, genre c'est pour moi en tout cas c'est une histoire qui est très 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 grave. Si vous êtes dans cette situation là, peut-être que cette histoire elle va vous aider à prendre une décision, ok? En vrai de vrai, des fois tu veux trop être loyal avec les gens, tu veux trop dire oui non genre c'est ma pote et tout, il faut que je lui dise tout. S'il y a ci je dois lui dire, s'il y a ça je dois lui dire. Mais en vrai de vrai il y a des trucs qu'on doit garder pour soi. Il y a des trucs, enfin je pense, je sais même pas s'il y a des, on peut dire qu'on doit garder pour soi, mais des fois la loyauté aussi, il faut avoir un peu de limite dans cette histoire de loyauté en fait, parce que ça peut te mettre dans des problèmes. Et moi ça m'a mis dans les problèmes, la loyauté m'a mis dans les problèmes. Je voulais tellement bien faire, je pensais tellement être une bonne amie que je me suis retrouvée dans les problèmes. Du coup on va directement rentrer dans la vidéo. Alors en fait pour vous contextualiser, pour vous mettre un petit peu dans le truc, cette histoire comme je vous ai dit elle date d'il y a à peu près 4 ans maintenant si je ne me trompe pas. Vous rappelez, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous vous rappelez la... J'avais donné quel nom même, la story time que j'avais postée il y a quelques temps où je racontais mes galères que j'ai eues à Washington avec Julie là. Vous vous rappelez à la fin de la story time, j'ai dit quoi? J'ai dit je suis partie au Canada chez une de mes potes que je connais depuis... Enfin que je connais, que j'avais rencontré... quand j'ai fait mon échange universitaire. Donc bref, donc c'est une fille que je connais bien et tout, on s'entend super bien, tout ça, on a fait connaissance, on s'est rencontrés sur le campus là-bas, quand j'étais partie faire mon échange universitaire. Quand j'étais à Washington, j'ai contacté ma pote, j'ai dit ouais que là, je suis dans un bourbier, je suis dans un problème, I need your help, j'ai besoin... de toi en fait, donc est-ce que je peux rester chez toi? Donc ma pote me dit oui, elle accepte et tout machin sans aucun problème. Donc, du coup moi je suis partie. Donc quand j'arrive là-bas, ils sont dans une grande maison. Donc quand je dis ils, je parle d'elle, ma copine. Donc ma copine on va l'appeler on va l'appeler Cindy. Donc il y a Cindy qui vit avec son mec qu'on va appeler Paul. Non Paul c'est nul. Qu'on va appeler Paul et leur fils de quelques mois. À ce moment-là, il avait leur enfant avec quelques mois et tout machin. Enfin bref. Donc du coup voilà, donc ils étaient 3 dans la maison. J'arrive et tout machin. Franchement, ils sont super gentils. Et c'est quand moi je suis arrivée du coup chez eux que j'ai fait la rencontre de Paul en question, tu vois. Donc tout se passe bien, on s'entend bien. Au début, ça se passe hyper bien. Genre, ils sont vraiment hyper gentils, hyper accueillants. Même s'il y a des histoires entre deux personnes, franchement les gars, n'oubliez jamais le bienfait qu'on vous a fait. Genre, n'oubliez jamais le bienfait, n'oubliez jamais les sacrifices que les gens ont fait pour vous, n'oubliez jamais quand les gens ont été là pour vous, même si aujourd'hui c'est plus trop ça entre vous, genre soyez pas ingrats, tu vois ce que je veux dire. En fait à chaque fois que je me réveillais, qu'il y avait un petit déjeuner, ils faisaient à manger, ils étaient aux petits soins les gars. Mais quand je dis aux petits soins, ils étaient aux petits soins. Et les deux hein, Cindy et son mec, ils étaient aux petits soins, il y avait une bonne ambiance dans la maison, on s'entendait tous hyper bien. Du coup entre temps, ben moi j'ai fait la connaissance avec Paul, enfin j'ai fait connaissance avec Paul. On a appris un peu à se connaître et tout machin. Enfin bref, on s'entendait tous hyper bien dans la maison. Vous voyez, moi j'étais déjà sur YouTube. Donc voilà, quand l'argent de YouTube arrivait, on allait manger, on faisait des courses. Enfin bref, vraiment genre on vivait bien, on mangeait bien, on allait dans des restos, on se faisait des balades et tout. Enfin bref, une vie tranquille, tu vois. Ça, c'est un peu le commencement de l'histoire, tu vois. Donc, du coup, le temps passe et tout. Donc, moi, bien évidemment, je suis pas un enfant, je suis pas une gamine. T'arrives dans un pays, ben, hé frère, tu dois recommencer les trucs à zéro. Donc, ce qui veut dire que il faut que tu travailles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'avais YouTube et tout, mais en fait, j'avais besoin d'un autre truc à côté. Et surtout que je faisais rien d'autre vraiment à côté. C'est-à-dire que j'avais pas d'autres choses qui me rapportaient des sous. Donc, il fallait bien que je trouve un autre taf. Et là, en fait...
comment j'avais appelé ma pote Cindy. Donc du coup là j'en parle et tout avec Cindy et tout machin. Elle me dit ah qu'il y a un magasin à côté, pas très loin de chez elle. Donc un beauty supply. Un beauty supply en fait pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est genre c'est, vous voyez les magasins à Château d'Eau là où on vend plein de produits, on vend des produits de cheveux, on vend du maquillage, tout ça de ça. Et ben c'est ça un beauty supply. Donc elle me dit ouais que elle connaît quelqu'un qui travaille dans le beauty supply qui est juste à côté de chez elle et tout. Donc si je veux travailler et tout, elle peut m'aider. Genre elle peut parler à la personne qui connaît, tu vois. Donc j'ai dit ah ok, moi ça m'intéresse. Franchement moi il n'y a pas de problème si je peux faire ça et en plus de YouTube à côté, ça m'arrangerait. En plus le truc c'est que en vrai de vrai, pourquoi j'ai travaillé, pourquoi aussi j'ai décidé de travailler les gars, c'est parce que j'avais pour projet de déménager. Parce que c'est bien beau, t'arrives chez les gens et tout, même si on dit c'est ta pote, même si on dit que c'est ton ami ou ta soeur ou peu importe. Tu arrives chez les gens, ils t'accueillent, ils sont gentils, ils sont adorables et tout, il n'y a aucun problème. Mais tu vas pas vivre éternellement chez les gens en fait. Enfin, je sais pas comment vous pensez, mais moi je peux pas, tu vois. Genre, on m'a accueilli parce que j'avais un problème. Voilà, mon amie m'a accueilli chez elle parce que j'avais un problème. Mais en fait, faut se rappeler que mon amie en question a une vie de famille. C'est-à-dire que mon amie en question, elle a son copain et elle a son bébé à la maison. Donc, au bout d'un moment, pas que t'es de trop, mais genre, prends-toi en charge un peu, tu vois ce que je veux dire. Genre, cherche-toi chez toi en fait, tu vois. Et donc, moi, c'était ça dans ma tête. Donc, cherche un emploi, continue YouTube, combine les deux. Garde assez d'argent, économise assez d'argent, cherche-toi un appartement, déménage. Fin en fait, déménage, meuble ton appartement et t'as ton petit cocon, c'est tout ce que je voulais en fait. C'était ça dans ma tête, tu vois. Moi et ma pote, on se rend au beauty supply direct. Elle commence à parler avec la personne. Franchement, je me rappelle plus trop c'était qui. Mais c'était pas le manager, hein. C'était, je sais plus trop c'était qui en tout cas. Mais bref, elle commence à parler avec la personne qu'elle connaissait là-bas. Et bref, là on va sauter les étapes. En gros, j'ai eu le taf et tout machin. J'ai commencé à travailler dans le beauty supply grâce à ma pote. Et encore une fois, je ne suis pas ingrate. Je précise que c'est grâce à elle que j'ai pu travailler là-bas en fait. Bon, j'aurais pu de moi-même, bien évidemment, si tu déposes un CV, que tu réussis un peu les entretiens, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison pour pas qu'on te prenne, tu vois. Mais c'est grâce à... J'ai même pas fait d'entretien même. Est-ce que j'ai fait un entretien? Je crois que j'ai même pas fait d'entretien. Elle a juste parlé un peu et tout machin. Et ils m'ont direct dit ouais, si t'es vraiment intéressé, tu peux commencer, tu vois. Donc bref, donc elle m'a vraiment aidé pour ça. Donc moi dans ma tête, quand j'ai eu ce taf là, je me suis dit Dieu merci, Dieu est grand, je vais pouvoir mettre des sous de côté. Je vais travailler, mettre des sous de côté pour pouvoir prendre mon appartement et les laisser genre en famille en fait, tu vois. C'est pas comme s'il commençait à avoir une mauvaise ambiance ou il commençait à avoir des trucs bizarres et tout, pas du tout. C'était juste, mais tu vis avec les gens, au bout d'un moment, pars en fait. Je sais pas ce que... Moi, si je reçois quelqu'un chez moi, bon, attends, après on va dire que je... Non, mais c'est pas ça. Si je reçois quelqu'un chez moi et que la personne fait un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, bah, au bout d'un moment, bah, je sais pas, ouais, tu t'en vas plus. Je sais pas si, ouais, ce que je veux dire. Tu t'en vas plus ou quoi? Du coup, ce que je fais, les gars, c'est que je commence à travailler. À chaque fois, j'ai ma paye parce que j'étais payée chaque deux semaines. À chaque fois que j'ai ma paye, j'avais une. Comment ça s'appelle là? Une tirelire. Je mettais des billets dedans. À chaque fois, je touchais ma paye, je mets les billets dedans. Je touche ma paye, je mets les billets dedans. Je vis un peu avec YouTube. Mais genre, je mets pas toute ma paye dans la caisse, tu vois. Je mets une partie de ma paye dans la caisse pour acheter mes meubles, pour acheter, je sais pas, les trucs dont j'aurais besoin pour le déménagement, la caution et tout. Enfin, bref, tous les trucs comme ça. Et un jour, il faut savoir que un jour, on devait sortir. Vous voyez, c'était, il y avait une soirée, je sais pas où là. Il y avait une soirée, je crois, au centre-ville, un truc comme ça. Et il faut savoir qu'on n'avait pas d'argent. Genre, moi, personnellement, j'avais pas d'argent parce que je mettais la majorité de mon argent dans la caisse. J'économisais la majorité de mon argent, tu vois. Donc faut savoir que ce jour-là, moi j'avais pas d'argent. Ma pote non plus avait pas d'argent et je suppose que son mec n'avait pas d'argent non plus. Donc ça fait que on se regarde parce que moi je leur ai dit ouais bah moi j'ai des économies. Donc vu que là on veut vraiment sortir, moi et ma pote on voulait vraiment sortir. Donc on s'est dit ok, vu qu'on veut vraiment sortir et que là on n'a rien, bah c'est pas grave, genre on va pas, je sais que j'ai un peu d'argent ici dans la maison, je vais pas faire comme si en mode je vois pas et tout machin, je fais comme si j'ai rien et tout sur moi, non, tu vois, les trucs comme ça, ça se fait pas. En fait moi je suis pas comme ça, tu vois. Si j'ai des économies ou si j'ai de l'argent sur moi et je vois qu'on est en galère, même si à la base je veux pas l'utiliser, même si à la base j'ai pas envie d'utiliser cet argent, mais je vais pas nous regarder en fait. Je vais pas être là en mode ah bah moi je sais pas, ah bah on fait comment, ah bah du coup bah là je crois que c'est mort. Mais non en fait, moi je suis pas comme ça. Si il y a un problème et je vois que je peux aider ou je peux nous faire sortir de ce problème là, même si je dois aller chercher dans mes économies, même si je dois aller chercher à gauche à droite, mais je vais le faire en fait. Je vais pas rester là
Donc c'est ce qui s'est passé, retenez bien, c'est très important. C'est ce qui s'est passé, donc on a ouvert la caisse. On l'a même cassé, c'était une caisse en métal les gars. C'était une caisse en métal. Donc du coup Paul a pris le couteau et tout machin, il l'a ouvert et tout, on a pris quelques billets. Je sais plus combien on a pris, bref on a pris quelques billets dans la caisse et on est sorti. La soirée s'était archi bien passée. Il faut savoir, n'oubliez pas qu'on a ouvert la caisse pour profiter. Ok. Donc du coup maintenant moi je continue de mettre mon argent de côté. Parce que je pense toujours à mon projet de déménagement. À chaque fois il y a une petite entrée, je mets de côté. Je garde un peu pour moi, je garde un peu pour les dépenses et tout. Parce que comme je vous ai dit les gars, quand tu vis chez quelqu'un, tu vas pas faire la meuf et tout qui reste là. C'est toi, on te sert à manger, toi on vient te faire ci, on vient te faire ça, on te donne tout ce que tu veux, tu manges à ta faim et tu ne participes pas. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi les trucs comme ça je peux pas. Genre je peux pas en fait. Parce que ça gêne, wesh. Même si tu participes pas pour le loyer ou quoi que ce soit, tu dois participer au moins pour la nourriture. Même si tu participes pas pour la nourriture, tu dois pas. En fait, tu dois participer pour au moins un truc. Genre, tu peux pas juste être là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais tu peux pas juste être là et puis vivre la belle vie et manger et grossir dans la maison des gens, dormir dans la maison des gens, sans participer à rien. Moi, on m'a pas élevé comme ça. Personne ne m'a pas élevé comme ça, ok? Ça, c'était un peu le background. C'était pour vous dire un peu, genre, pour vous situer un peu, pour que vous puissiez voir un peu l'ambiance et tout machin. Jusque-là, tout se passait grave bien. Maintenant, c'est là les problèmes. C'est là que les problèmes vont commencer parce qu'on ne peut jamais être tranquille. Un jour comme ça, on est dans la maison. Et il y a Paul, je sais plus, depuis ce matin, j'essaie de me rappeler ce qu'il m'a demandé, ce qu'il devait aller faire, mais je ne me rappelle plus exactement. Il me demande de l'accompagner en bas, mais je sais plus c'était pourquoi, genre il devait aller je crois récupérer un truc ou faire un truc, je sais plus, mais c'était juste genre faire le, c'était juste à côté de la maison en fait, c'était pas loin du tout, donc il me demande ouais de l'accompagner et tout machin, je dis ok. Et à ce moment là Cindy elle était dans la maison avec le bébé et tout machin, enfin bref elle a pas de problème quoi, elle fait ses trucs et tout. Donc on lui a dit on descend rapidement, tout ça de ça, on revient tout de suite. Moi je l'accompagne, je lui ai dit ouais j'accompagne Paul, on revient. Ok, il n'y a pas de problème et tout machin, à tout à l'heure. Pour moi les gars, on allait juste faire ce qu'il devait faire et rentrer. On commence à marcher, je sais plus c'était pour faire quoi, mais bref, on commence à marcher. Et là, le mec commence et au nom de Dieu, les gars, en fait, là, je sais même pas, j'ai pas besoin de me justifier auprès de vous ni quoi. Parce que je sais que c'est vrai et puis je vais pas m'asseoir ici pour mentir sur un truc comme ça. Et puis bon, bref, au nom de Dieu les gars, devant Dieu, le mec a commencé par dire ah oh, j'ai envie de te dire un truc mais je sais pas comment te dire. Hein? Oh j'ai trop envie de te dire un truc mais je sais pas comment je vais te dire. Oh non j'ai grave envie de te dire un truc mais je sais pas. Vous voyez les trucs comme ça où la personne commence à parler après dit non vas-y c'est bon. Oh putain j'ai trop envie de te dire un truc mais vas-y non après tu vas mal le prendre. Oh putain non j'ai grave envie de te dire un truc mais après non tu vas te fâcher. Oh j'ai grave envie de te dire un truc mais après tu vas dire à Cindy. Déjà ça c'est des moves bizarres. Ça c'est des trucs bizarres parce que à partir du moment où moi je suis la pote grave proche de ta meuf et toi t'as des trucs à me dire et tu veux pas que Cindy donc ta meuf soit au courant. Là à partir de ce moment là je suis désolée mais c'est déjà très bizarre parce que ça n'existe pas les choses comme ça en fait. Qui fait ça? Ça n'existe pas. C'est à dire que toi t'es louche déjà pour commencer tu vois. Bref du coup moi je commence à te demander parce que c'est un peu bizarre. Parce que moi dans ma tête vous savez c'était quoi? Dans ma tête, je pensais que le mec allait me dire ouais finalement en fait on veut que tu partes et tout maintenant nanana tout ça. Moi je te jure, je vous jure les gars, je pensais qu'il allait me dire ça. Genre je pensais que c'était pour me dire ah désolé franchement t'as un peu duré chez nous et tout machin, tu peux essayer de partir un peu plus vite. Je pensais qu'on devait me chasser de la maison, mais en fait ça n'avait rien à voir les gars, ça n'avait rien à voir. Et quand il commençait à dire que oui je vais te dire un truc mais j'ai peur que, j'ai dit non mais t'inquiète tu peux parler. Je lui disais non mais vas-y parle, en fait tu peux parler, t'as déjà commencé. Vous voyez les gens comme ça là, ils commencent à parler et puis après non en fait c'est bon, ils commencent à parler, non vas-y laisse tomber. Mais non, non, non attendez, non. Tu as commencé à parler, personne ne t'a forcé, personne a ouvert ta bouche comme ça, personne a tiré ta bouche pour l'ouvrir. Donc tu commences, tu termines en fait. Tu as commencé à parler, dis, en plus t'es un homme, genre qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rentrer chez moi? Est-ce que, bon je n'avais pas de chez moi, mais est-ce que je dois partir? Si c'est ça, il n'y a pas de problème, dites-moi comme ça, moi je vais essayer de commencer à chercher des appartements parce que j'ai déjà un peu mis de l'argent de côté, tu vois. Je sais pas si c'est ça, mais ça je lui ai pas dit, c'était dans ma tête parce que qu'est-ce qu'il y a? Le mec il parle pas, il parle pas, il parle pas. Et là en fait frère, on a fini de faire le truc que t'as dit qu'on allait faire là.
le truc qu'on devait faire, je sais plus où je l'ai accompagné, comme je vous ai dit. On est sur le chemin retour, t'as pas encore dit, depuis je suis en train de te supplier pour que tu dises. Et le mec, au nom de Dieu, les gars, putain, ça me saoule de devoir jurer, mais en fait, faut que vous me croyez parce que je vous promets, les gars, je vous mens pas. Au nom de Dieu, le mec m'a fait jurer. Le mec m'a fait jurer, il m'a dit jure. Il m'a dit jure sur quoi là même? J'ai oublié, putain, j'ai oublié les gars, mais au nom de Dieu, devant Dieu, les gars, je mens pas. Le mec m'a fait jurer de ne rien dire. À partir du moment où le mec de ta copine, ta soeur, on peut dire même, parce que c'est, on peut se considérer, moi je la considère comme ma soeur, moi, enfin je la considère toujours comme étant ma soeur. À partir du moment où, imagine wesh, le mec de ta copine veut te dire un truc, il tourne, il tourne, il tourne, il te fait jurer de ne rien dire à personne. Là, à partir du moment que, là, quand ça arrive, c'est qu'il y a un problème. Là, il y a une faille. Il y a un truc qui n'est pas net, ça va pas. J'allais pas être tranquille, je devais savoir de quoi il s'agissait. Je devais savoir. Donc du coup, bien évidemment, franchement curieuse que je suis, j'ai juré. En plus, c'est même pas que de la curiosité en fait. C'est de la peur, de l'angoisse, de la curiosité. Donc du coup, j'ai juré. Franchement, j'ai juré. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je dois partir? Si c'est, mais ça peut pas être ça aussi. Parce que si vous voulez me chasser de chez vous, tu vas pas me dire de jurer. Donc c'est pas ça. Ça veut dire c'est autre chose. Donc le mec se décide enfin à parler et le mec me dit, écoutez comment c'est trop grave. Le mec me dit, le mec de ma pote slash presque ma soeur me dit, oh en fait depuis que t'es arrivée je sais pas mais tu me plais. Je vais pas mentir, donc je vais m'arrêter juste à ça parce que je veux pas inventer des trucs aussi que le mec n'a pas dit. Il a parlé pendant quelques secondes. En fait en gros c'était pour me dire qu'il était attiré par moi et que je lui plaisais. Enfin, je peux pas là vous dire mot pour mot, mais en gros, c'était ça. Je vais pas inventer des mots que le mec n'a pas dit de sa bouche. Et puis, c'est une histoire qui date d'il y a 4 ans. Mais, en gros, le mec m'a dit qu'il était attiré par moi et que je lui plaisais. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Et je savais tellement pas comment réagir. Et j'ai dit, comment tu peux me dire des trucs comme ça? Et vous me connaissez, moi, je suis... Putain, vous me connaissez. Si vous me suivez, les gars, vous me connaissez. Je ne suis pas quelqu'un de... Je crie pas, tu vois, je suis pas quelqu'un de grave colérique et tout machin. À chaque fois dans mes story time, de toute façon, vous voyez, je suis super calme. Je suis très calme. Et je prends du temps, en fait, avant de processer les trucs dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça m'a pris quelques secondes, en fait. Je me dis, mais attends, quoi? À quel moment tu peux dire des trucs comme ça? Je suis tous les jours déjà même en natte. Je suis tous les jours même déjà avec mes cheveux comme ça. En fait, tu parles de quoi là? Non, sérieusement, tu parles de quoi? Parce que ça, c'est super grave. Genre, c'est super, super grave. La meuf qui est à la maison, c'est ma soeur en fait. Donc, tu parles de quoi? Oui, attendez, what? Tu peux pas faire ça. Et en fait, ça m'a démoralisé. Genre, ça m'a cassé mon mood. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ce bourbier? Dans quoi est-ce que toi tu veux me mettre? Mais pourquoi déjà même tu penses à des choses comme ça? Pourquoi tu me regardes alors que t'as ta copine? Pourquoi tu fais ça en fait? Les hommes vous êtes trop bizarres. Donc du coup moi je commence à lui poser des questions. Mais genre mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis des trucs comme ça? Tu sais que c'est un truc de ouf. Tu sais que putain j'allais dire son nom. Tu sais que Cindy c'est grave ma pote. On se connaît depuis très 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 longtemps. Et donc qu'est-ce qui t'arrive en fait? C'est un truc de ouf ce que tu viens de me dire. Bref, essaie d'enlever ça de ton esprit vite, vite, vite. Et donc il a dit, ah non, franchement, désolé. Je savais que, bon, je savais que forcément ça allait pas te plaire et tout machin. Enfin bref, oublie ce que je t'ai dit, oublie, oublie, oublie. Ouais, tu me dis d'oublier, mais ça reste quand même dans la... Je peux pas oublier, en fait. Je veux oublier. Je veux faire comme si tu m'avais jamais rien dit. Mais c'est bizarre parce que je vais plus te voir de la même manière, en fait. On est dans la même maison, je vais plus te regarder pareil parce que je me dis, putain, genre, je peux plus rigoler avec lui comme avant, tu vois. On peut plus communiquer comme avant parce que je me dis il faudrait pas que je commence à trop rire avec lui. Après il va penser que en fait Sarah dans sa tête elle veut que... Ben pas du tout, pas du tout, alors là pas du tout. Donc je me suis dit tu sais quoi là ça devient bizarre. Et comme Dieu fait bien les choses comme je vous ai dit tout à l'heure, les gars, j'avais commencé déjà à mettre mon argent de côté pour pouvoir me prendre un appartement. Et heureusement, parce que imaginez je devais encore rester pendant longtemps, c'était méga bizarre. Donc je me suis dit Dieu merci, là déjà j'ai un peu d'argent de côté, donc je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir partir, je vais pouvoir prendre mon appartement, désolé pour le mouchoir, Dieu merci, je vais pouvoir partir
je prends mon appartement et tout machin, parce que là, ce qui est en train de se passer, moi personnellement, ça me plaît pas. Moi personnellement, je n'aime pas, ça me gêne, tu vois. Depuis quand en fait? Moi personnellement, je me connais, je sais que j'allais être super mal à l'aise, j'allais être super gênée, donc je me suis dit, tu sais quoi, c'est le moment de partir. Prends tes clics et tes claques, reste dans ton coin, laisse la famille, laisse cette famille, genre, en paix, c'est mieux, tu vois ce que je veux dire. Même si tu déranges pas vraiment, pars quand même, pars. Et donc du coup là on passe à la troisième partie, donc du coup le déménagement les gars. Après ce qui s'est passé là, je suis restée quand même quelques temps, mais il n'y a jamais eu de trucs bizarres et tout machin. Il n'y a jamais eu de regards bizarres ou de phrases déplacées venant de lui ni quoi que ce soit. Donc moi je faisais comme si de rien n'était, lui de son côté je suppose il faisait aussi comme si de rien n'était. Moi j'étais focus dans ma tête, je devais partir le plus rapidement possible. Donc j'ai commencé à faire ma recherche d'appartement. De toute façon j'ai fait cette story time là aussi, je vous ai raconté l'appartement avec Ben là. Pour ceux qui me suivent vous savez, je vous ai raconté ça story time. Bref, j'ai cherché mon appartement les gars, j'ai pu trouver un appartement en très peu de temps, très peu de temps, vraiment un appartement abordable, genre c'était grave pas cher, c'était je crois 550$ par mois. Franchement, le top. J'avais un peu d'argent pour mes meubles, j'avais un peu d'argent pour la caution. Enfin bref, en gros, j'étais un peu préparée quand même, tu vois. Donc là, maintenant, je leur dis et tout machin que je dois déménager. Ils sont contents et tout ça, tout ça. Donc, ils viennent visiter la maison avec moi. Enfin, non, pas visiter la maison avec moi, je mens. Genre, moi, j'avais déjà visité la maison. J'avais visité la maison toute seule, ça m'avait plu. Donc, tu vois, je me suis dit, ok, je vais venir m'installer ici, y a pas de problème, je vais rester là. Donc, du coup, je leur montre et tout machin. Ils viennent, ils regardent un peu les lieux et tout machin. Voilà, ils se rendent compte que bon, la petite va quand même, va vraiment prendre son envol, enfin la petite, on a tous le même âge. Bon bref, en tout cas Sarah s'en va pour de vrai et tout, et ils m'aident à faire le il au pluriel. Donc Cindy et Paul m'aident à faire mon déménagement, c'est à dire que ils m'aident à transporter mes affaires, ils m'aident même à installer des trucs et tout machin, nettoyer un peu et tout, enfin bref, en gros ils m'aident à faire le nécessaire pour que je sois à l'aise. En fait, je vais pas mentir, encore une fois, moi je suis pas quelqu'un d'ingrat. Quand les gens ils font, même si après il se passe des trucs bizarres, je reconnais toujours. Et franchement, ils m'ont grave aidé. Et en fait, pendant le déménagement, ils m'ont donné, bon moi je pensais que c'était un cadeau les gars, mais après je me suis rendu compte que vraiment ils ont pas donné ça pas de bon, je vais pas dire ils m'ont pas donné ça de bon cœur, mais après c'est devenu un peu bizarre. Donc moi je pensais qu'ils m'avaient offert, parce qu'en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont donné un gros set de Tefal. Ouais, Tefal, les casseroles, il y avait des casseroles, des poêles, des plein de choses comme ça pour la cuisine et tout. Ils m'avaient donné un gros set, tu vois. Donc moi j'étais super contente et tout. Donc j'installe bien le set et tout avec tous les trucs à la maison, dans la cuisine. Et vraiment j'étais équipée, tu vois. Donc merci à eux, blablabla, tout ça. Bref, je suis équipée. J'installe les petits trucs dans la maison, tout se passe très bien. Donc le temps passe les gars. Jusque là il n'y a pas de trucs bizarres comme je vous ai dit. Chacun est dans son coin. Mais ma pote du coup, comment elle s'appelle, Cindy, putain j'oublie toujours son nom. Ma pote Cindy, elle vient de temps en temps à la maison. Elle passe des deux jours, trois jours avec moi. Vraiment je l'accueillais bien comme elle, elle m'a bien accueillie chez elle aussi. C'est comme ça hein, quand on te donne il faut savoir donner en retour, ok. Parce que là tout va bien, il n'y a pas de problème. Moi dans ma tête j'essaie de, je pense même plus à ça. Lui j'ai essayé de le remettre un peu en place, donc je pense qu'il a compris, donc c'est sorti de son crâne. Donc je vais pas faire chier ma pote avec un truc comme ça. À partir du moment où genre c'est pas hyper sérieux, je me dis il n'y a pas besoin d'en parler à ma pote. Tu vois ce que je veux dire? Moi dans ma tête c'était ça, je me suis dit tu sais quoi, il m'a dit un truc, c'est un peu bizarre, c'est très déplacé, ça me met mal à l'aise, mais je l'ai remis un peu à sa place. Je pense qu'il a compris. Depuis ce jour-là, il n'y a pas eu de, il est jamais revenu à la, il n'est pas revenu à la charge encore avec ces bêtises là. Donc je pense que là, il a compris. Je pense qu'il sait qu'il a fait une erreur de me dire ça et de penser même ça. Donc il n'y a pas besoin de dire ça à ma pote en fait, parce que le mec a compris en fait. Donc il n'y a pas besoin. C'était ça dans ma tête les gars. Prochain chapitre, les problèmes plus plus. Les problèmes plus plus en fait. Maintenant le temps passe. Il faut savoir que parfois, comment ça s'appelle, parfois Cindy recevait genre ses colis chez moi. Je crois peut-être une ou deux fois elle a reçu des colis chez moi, donc à mon adresse. Et un jour, elle devait recevoir un truc chez moi, si je me rappelle bien, un truc de DHL ou quelque chose comme ça. Et il y avait des frais de douane à payer, enfin bref, il y avait un truc en tout cas. Et elle était chez elle et il y avait l'enfant, tout ça, tout ça. Et il faut savoir qu'on était en plein hiver. La neige du Canada, le froid du Canada, frère, elle va pas se trimballer avec l'enfant et tout machin. Enfin bref, en gros... elle devait venir récupérer soit un truc chez moi ou prendre le papier de DHL chez moi. Enfin bref, un truc comme ça, une connerie comme ça. Donc du coup, moi je la contacte, c'est ma copine. Je la contacte, je dis ouais, il y a ton truc de DHL et tout machin que tu dois récupérer là. Donc comment ça se passe en fait?
Donc elle me dit que ouais, elle va voir ça après, patati patata, bref, c'est pas important, elle va gérer ces bails-là après, parce que là, pour l'instant, elle peut pas venir, bien évidemment, à cause du bébé et à cause de la température qui fait dehors. Ce que je comprends. Et moi non plus aussi, je vais pas aller jusque là-bas juste pour un papier de DHL ou bien un colis, j'ai oublié ce que c'était. Bref. Donc maintenant, un jour, je suis là, comme ça, chez moi, et on frappe à ma porte. Au Canada, j'avais pas 15 millions d'amis. Genre, si je devais recevoir quelqu'un chez moi, je savais que la personne devait venir. Parce que je connaissais pas 15 millions de personnes. Donc à partir du moment où on frappe à ma porte, déjà, à la base, je sais normalement qui c'est. Parce que tu vois, parce que je sais que je dois recevoir quelqu'un. Mais là, je m'attendais à personne en fait. Je vais ouvrir, et là que je vois Paul. Je regarde un peu derrière pour me dire, ah, ma copine est là et tout machin, elle m'a pas prévenu qu'elle venait, c'est cool et tout, elle est là, elle m'a fait une surprise. Je vois pas ma copine. Je vois pas ma copine. Je vois pas le bébé. Je vois juste Paul. Et donc je lui dis, ouais, ça va et tout, parce que pour moi, encore une fois, les filles, le mec avait capté. Tu fais quoi ici en fait? Parce que je comprends pas, tu fais quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? T'es venu chercher quoi? Et après, je me suis rappelé automatiquement du truc de DHL. Je dis, ah, mais t'es venu pour le truc de DHL. Il me dit, ouais, je suis venu pour ça et tout. Je vais prendre ça après, tout ça, avant de partir. Comment ça, avant de partir? Ça veut dire quoi? Là, tu vas rentrer. Mais après, je me suis dit, vas-y, c'est le mec à ta pote et tout. Ils ont l'habitude de venir. Lui aussi, il est venu peut-être 2-3 fois et tout. On s'est posé. J'ai fait à manger et tout. Donc, bon, voilà. Tu vas pas non plus lui fermer la porte. Surtout qu'ils t'ont reçu chez eux pendant des mois. Tu vois? Donc, ça se fait pas. Donc, s'il veut rentrer, tu le laisses rentrer en fait. La porte, je le laisse rentrer. Il s'assoit sur mon fauteuil. Lui, il était assis là. Et moi, j'étais genre là. Donc, il y avait une distance en fait. Je me suis pas du tout. Il y avait une distance entre nous deux. J'ai laissé la distance. Parce que frère, enfin, t'es pas mon copain. T'es pas censé être proche de moi. Je ne suis pas censée être proche de toi en fait. T'es le mec à ma copine. Donc, c'est quoi ça? Distance, tu vois. Distance, respect. Voilà quoi. Après, j'ai servi de l'eau à boire ou un truc comme ça. Et donc, on a commencé à papoter. Ouais, ça va. Oui, ça va. Et toi? Bref, plein de bêtises comme ça. Et là, le gars me dit, mais pourquoi tu es assise aussi loin? Les gars. Au nom de Dieu, encore une fois, au nom de Dieu, que c'est la vérité. Le mec me dit, mais pourquoi t'es assise aussi loin? Et puis j'étais pas assise. Et déjà, je me dis, mais attends, assise aussi loin, ça veut dire quoi? Parce que mon fauteuil était quand même grand. Mais je veux dire, j'étais pas là-bas et toi, t'étais là-bas. Non, j'étais à une distance raisonnable, en sachant qu'on n'est pas, censé être proche en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il doit avoir une certaine distance. Donc, oui, c'est normal que je me sois pas assise collée à toi parce que t'es le copain. Et le baby daddy de ma copine, je sais pas si tu comprends en fait. Oui, c'est normal que je sois assise, même si je dois me mettre debout là-bas, je vais le faire en fait. Parce qu'il doit pas avoir de proximité, donc je ne sais pas qu'est-ce que tu recherches en fait. Je ne comprends pas la question. Et nerveusement en fait, je lui dis, mais je suis à ma place, tu es à ta place là. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Enfin bref, à la base même, t'es venu chercher quoi déjà pour commencer? Parce que je t'ai servi à boire, on discute, mais qu'est-ce que tu veux concrètement? T'es venu prendre quoi? Le papier de DHL, le colis de DHL? Voici. Tu peux... C'est bon? Il laisse tomber. Le mec, il fait genre en mode... Ok, bon, bref. Donc, il laisse tomber. Et donc, on papote et tout. Et moi, je suis là genre très nerveuse en mode... Mais à quel moment tu t'en vas? Et moi, je lui ai demandé... Mais elle sait que t'es là ou pas? Parce que j'ai l'impression... Comment tu fais là? J'ai l'impression qu'elle sait pas que t'es là. Donc, je comprends pas en fait. Est-ce qu'elle sait que t'es venu récupérer le truc du DHL chez moi? Ou bien t'es venu comme ça? Le mec me dit non, il est venu rapidement et tout. Mais elle sait pas que... Il est venu chercher quelque chose. Cindy ne sait pas qu'il est là. Et ça, en fait, pour moi, c'est trop grave. Parce que si tu commences à faire tes cachotteries comme des cachotteries comme ça à ta copine, et tu me mets dedans en sachant que moi, j'ai rien demandé, là, c'est trop grave, en fait. Parce que tu vas me mettre dans des problèmes. Dans des problèmes avec ma pote. Tu vas me mettre dans un truc que je n'aime pas. Tu vas me mettre dans un truc où je ne veux pas. En fait. Là tu cherches des problèmes. Et puis c'est même pas des problèmes pour toi, parce que c'est des problèmes plus pour moi. Parce que genre moi je suis sa copine en fait. Toi vous allez gérer vos trucs après. Mais pourquoi tu lui as pas dit que t'étais là en fait? Pourquoi tu lui as pas dit que tu venais chercher le truc de DHL? Déjà même qui t'a envoyé même de venir chercher le truc de DHL? Parce que c'est elle à la base même qui devait venir le prendre. Donc qu'est-ce que tu fais quoi ici d'abord? Donc bref, donc du coup j'étais en train de dire tout ça et tout, parler et tout. Et vous savez, bon, pour ce, enfin, si vous me suivez et puis même si vous me regardez bien, vous savez que j'ai un piercing ici au smiley. Et le mec, putain, ça fout la rage. Et le mec continue encore dans les remarques déplacées. Il parle de mon piercing. Oh, j'aime trop ton piercing que t'as ici là. What? Quoi? Attends, putain, oh mon dieu.
Il me dit non mais ça doit être trop bien. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faut pas exagérer non plus. J'ai pas envie d'étaler trop ça aussi sur YouTube. Mais en gros vous avez compris hein, quand bon bref vous avez essayé d'imaginer un peu ce qu'il peut dire, vous voyez. Et là en fait pour moi ça c'était vraiment la goutte, ça c'était vraiment le truc qu'il fallait pas dire, parce que là en fait tu vas beaucoup trop loin. Genre là tu pousses le truc trop loin à mon goût. Et là ça commence vraiment à me mettre très très mal à l'aise. Le mec commence à me demander mais oui mais pourquoi t'es distante et tout. Mais je suis distante parce que tu n'es pas censé être mon copain. Je suis distante parce que tu es le copain de ma copine. Tu sors avec ma copine donc oui. Putain mais moi je sais pas comment vous voyez les choses les filles mais... Donc le mec il part et tout machin. Et je ferme la porte. Quelques secondes après il refrappe à la porte. J'ouvre. Et le mec me dit ouais franchement s'il te plaît, moi je vais te demander un dernier truc s'il te plaît, dis pas à Cindy que je suis passée. Au nom de Dieu que c'est la vérité, le mec m'a dit s'il te plaît dis pas à Cindy que je suis passée. Et là c'était trop parce que je me suis dit Sarah, si tu continues à ne rien dire, si tu dis rien et qu'un jour je sais pas il se passe quelque chose et ça sort, tout va se retourner contre toi en fait. Parce qu'on va dire pourquoi t'as pas parlé quand ça s'est passé et tout machin. Donc là je me suis dit il faut que je réfléchisse clairement parce que là ça va trop loin. Tu peux pas me demander des trucs comme ça, ça va trop loin. J'ai dit ok, j'ai fermé ma porte, je me suis assise dans mon canapé, j'ai commencé à réfléchir. Et là j'ai appelé quelqu'un à la rescousse parce que c'est ça aussi mon problème. Je sais jamais prendre des décisions toute seule, j'ai toujours besoin de l'avis de quelqu'un et ça c'est pas bien. Mais là sur le coup c'était bien parce que j'avais besoin vraiment de l'avis de quelqu'un parce que c'était too much pour moi. Genre ça m'est jamais arrivé, les trucs comme ça jamais de la vie en fait. Jamais. Donc du coup j'appelle une autre de mes potes. Donc c'est une pote qu'on a en commun Cindy et moi. Du coup on va l'appeler Erika. Donc du coup j'appelle Erika, je lui explique la situation. Je lui dis que oui là j'ai besoin qu'on se voit parce que j'ai un truc à te raconter qui est très urgent, qui est très important en fait. Parce que là je suis au bout du rouleau. On est en train de jouer avec mes nerfs, jouer avec mes sentiments, on est en train de jouer avec avec mon esprit et je déteste ça. Et là en fait je suis dans une situation qui est très 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 malaisante pour moi. Et je ne peux pas, en fait je sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois parler, je sais pas si je dois me taire, je sais pas ce que je dois faire en fait, tu vois. Donc j'ai besoin de toi. Donc ma pote, on s'est croisé, je lui ai expliqué la situation. J'ai dit voilà et tout machin, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. La meuf était grave choquée. Genre elle était archi choquée. Et je lui ai dit tu vois comment là t'es choquée, là moi c'est encore de moi, je suis choquée, moi j'ai peur, moi j'ai tout en même temps. Je faisais que réfléchir parce que je me suis dit mais je dois dire à ma pote ou je dois pas dire à mon pote. Parce que j'ai envie de lui dire parce que c'est super bizarre et si demain il se passe quelque chose je veux pas qu'on dise que c'est moi. D'un autre côté si je me dis, si tu dis aussi imagine elle te croit pas. Parce que oui en fait le truc c'est quoi les filles, c'est que bon ça je vais revenir dessus après. Mais c'est que j'ai pas réfléchi, en fait j'avais pas de preuves palpables, j'avais rien à l'écrit, il m'avait jamais envoyé de message, enfin j'avais pas de preuves en fait, tu vois. Et ma pote elle s'énerve de ouf et elle me dit directement genre Sarah c'est mieux de lui dire, c'est mieux de dire à Cindy parce que les trucs comme ça c'est trop grave, c'est mieux de lui dire. Et sur le coup on n'avait pas pensé au fait que je n'avais pas de preuves écrites en fait, j'avais pas de message de lui, j'avais rien, pas de vidéo, j'avais pas d'enregistrement, tout ça j'ai pas pensé à ça parce que en fait c'était tellement sur le coup, j'avais pas de preuves, mais sur le coup on n'a pas pensé à ça. Elle m'a dit franchement je te conseille de lui dire, si tu veux moi je vais être là et tout, on va faire ça à trois puisque on se connaît tous, on s'est connus en même temps et tout, donc on va faire ça à trois, je serai là, tu vas lui dire et puis on va essayer de voir comment on peut arranger ça parce que ça peut pas continuer. Si tu dis rien en fait le mec il va continuer, tu vois. Et je me suis dit c'est vrai, si je continue à ne pas parler lui il va continuer à me faire chier, à me faire ces trucs là. On arrive chez moi avec ma pote du coup Erika. Et on contacte Cindy et je lui dis franchement j'ai besoin de te parler, tout faut que tu viennes chez moi urgemment, faut que tu viennes maintenant, j'ai besoin de te parler. Donc du coup elle arrive avec le bébé les gars dans le froid, la meuf elle arrive, elle avait pris un Uber je crois ou je sais plus si on l'avait, non, elle avait pas pris un Uber, je viens de me rappeler putain. Paul l'a déposé chez moi et en fait le truc c'est que vu qu'au téléphone je lui ai dit j'ai un truc de très urgent à te dire. Lui, en fait, dans la voiture, il faisait... Parce que ça, il nous a dit après, en fait, dans la voiture, il faisait que de lui demander, mais qu'est-ce qu'il y a, elle veut te dire quoi. Le mec avait chaud. Il faisait que de lui demander, mais elle va te dire quoi. Mais pourquoi elle veut te voir et tout, c'est super bizarre. J'espère qu'il n'y a rien. Je comprends pas. Est-ce que moi, je peux être là. Bref, en gros, le mec, il avait chaud. Parce qu'il savait pas aussi ce que j'allais dire à Cindy en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc il avait chaud, il lui posait plein de questions. Sauf qu'elle aussi, elle savait pas, tu vois. Elle aussi, elle savait pas. Donc bref, donc il la dépose. Et il part après et elle arrive, donc du coup elle rentre et tout machin.
Je la fais asseoir et franchement les gars, je vais pas passer par quatre chemins. Je lui dis voilà, moi j'ai besoin de te parler, il y a un truc qui se passe. Voilà, voilà, voilà. Ton mec il fait ci, ton mec il fait ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Et franchement moi ça me met grave mal à l'aise. Même si là je suis dans mon appartement, moi les trucs comme ça genre je peux pas en fait. Quand je peux pas, ça me met trop mal à l'aise. On est trop proche pour qu'il se passe des choses comme ça. Dans le groupe là, on est trop proche toi et moi pour que je te cache ce genre de choses et tout machin. Moi je sais pas si tu peux parler avec lui ou je sais pas comment ça va se passer, comment on va régler ça tous ensemble, mais il faut que ça s'arrête en fait. Voilà, voilà ce qu'il m'a dit. Et les gars, bien évidemment ça franchement on s'y attend tous. Voilà, elle a pété un câble, elle a commencé à pleurer, à péter un câble, à crier tout machin. Elle a appelé direct. Elle a appelé direct, c'est-à-dire qu'elle a même pas attendu, je sais pas quoi. Elle a appelé direct, elle a commencé à l'insulter et tout et tout et tout. Je lui ai dit, ok, tu sais quoi, t'es avec l'enfant, là t'es en train de grave t'énerver. Reste à la maison, le temps qu'on en discute, genre essaie d'être calme et après tu vas rentrer ou au pire on va t'accompagner. Ou au pire laisse l'enfant ici et toi va, genre peu importe en fait. Mais là en fait t'es avec l'enfant et tu fais tout ça là, c'est un peu bizarre. Donc elle a dit non, elle a pris l'enfant. Ils ont pris un taxi et ils sont partis. Et là, moi je me suis dit c'est trop bizarre. Parce que je sais pas ce qui va se passer là-bas. Je sais pas ce qu'elle va faire là-bas. Mais vu comment elle est énervée, vu comment elle crie et comment elle pleure, c'est bizarre. Donc moi et ma pote Erika, on se dit que c'est mieux qu'on la suive, tu vois. Et je pense que c'était bon, c'était pas vraiment une mauvaise idée en vrai. Mais c'était juste pour se rassurer qu'elle rentre bien, que le bébé, que voilà, que tout le monde rentre bien et tout machin, qu'il n'y ait pas de trucs graves et tout. Parce qu'elle était vraiment genre, elle était à un niveau de colère, ou je sais pas comment vous expliquer, c'était un truc de ouf. Et lui aussi il criait, le mec il niait et tout. Enfin bref, attendez, je vais bien vous expliquer. Donc du coup maintenant la meuf elle part. Et nous aussi genre quelques minutes après on se décide, moi et Erika du coup, de la suivre, de prendre un Uber et de la suivre. Donc du coup c'est ce qu'on fait, on prend un Uber, on met l'adresse de chez eux et tout machin. On arrive et là on entend des cris. Et des cris, et des cris, des pleurs, des cris, des trucs qui tombent, des trucs qui se cassent par-ci, des trucs qui tombent par-là, des trucs, des coups ici, des coups. J'entends le mec crier, mais c'est une menteuse, mais jamais de la... Vous connaissez les mecs? Les gars, vous connaissez les mecs? C'est une menteuse, mais jamais de la vie, mais elle ment, mais c'est impossible. Pourquoi t'as pas montré de preuves? C'est ça le problème. Et là, en fait, je me suis dit, putain, c'est là que j'ai fait mon erreur parce que j'ai pas de preuves physiques, en fait. J'ai pas de message, j'ai pas de photo, pas d'enregistrement, j'ai rien pour prouver. Y a que... En fait, c'est ma parole contre la sienne, là. C'est vraiment ma parole contre la sienne. Concrètement, c'est ça. Là, la totale, le mec qui dit, oui, elle fait tout ça parce qu'elle arrive pas à avoir de mec. Elle est jalouse de toi. Tu vois pas que toi, t'as un mec, tu m'as moi, genre lui, lol. Et on a un enfant et tout, tu vois pas et tout machin, c'est ça qu'elle envie machin, elle est envieuse et tout, c'est pour ça qu'elle veut nous détruire, elle veut détruire notre couple. Elle veut détruire notre couple, elle veut détruire notre relation et tout machin, c'est pour ça qu'elle fait ça. Regarde, c'est pour ça qu'elle est célibataire, c'est parce qu'elle est célibataire. Franchement, moi je sais pas comment tu fais et tout pour la croire et tout. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit attendez, quoi? Non, attends, quoi? Donc moi, c'est parce que moi, j'ai pas de mec. Parce qu'à l'époque, j'avais pas. C'est parce que j'ai pas de mec que moi, je vais aller inventer tout ça sur ma copine. Je sais que les histoires comme ça existe. Je sais. Il y a forcément ça existe, ça. Mais moi... Non, attendez, frère, faut pas exagérer. Moi, c'est parce qu'elle est célibataire. Franchement, elle est jalouse. Elle veut briser notre relation. C'est pour ça qu'elle a menti. Moi, j'ai jamais dit ça à Sarah. Moi, j'ai jamais fait ça à Sarah. J'ai jamais mis les pieds chez elle. Il a juré sur la tête de leur enfant qu'il a jamais mis les pieds chez moi, les gars. Il a juré sur la tête de leur enfant qu'il m'a jamais rien dit, les gars. Jamais. Je sais pas. Non. J'étais tellement dépassée. J'étais tellement dépassée. Je me suis dit, mais what? Attends, donc tout ça que j'ai dit, donc j'ai inventé. Tout ce que j'ai dit là, j'ai inventé. C'est-à-dire que je me suis assise, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, parce que là, ma copine, elle a son mec et tout, elle a son enfant, moi, ça me plaît pas, il faut que je détruise ça. Ça, c'est des comportements de sorcier. Ça, c'est de la sorcellerie. Moi, je suis pas une sorcière, hein. Eh, les gars, moi, je suis tout sauf une sorcière. Tout comme ça, je suis archi pas dedans. Moi, je pensais bien faire en disant à ma copine, je pensais bien faire. Donc, bref. Donc, il y a tout ça qui passe et tout. Moi, j'ai vu que, ok, là, on est en train de mentir. Et dès que, en fait, moi, je voulais me défendre parce qu'ils étaient en bas quand ils étaient en train de faire des histoires, quand ils étaient en train de dire tout ça. Et dès que j'ai entendu que, ouais, elle est jalouse, j'ai dit, mais t'es mal. Et dès qu'il a entendu ma voix, le mec a tapé une accélération comme j'entends dans les escaliers. J'entends
j'entends dans les escaliers le mec qui monte en fureur et tout machin pour me taper. Les gars, le mec a voulu me taper. Le mec a voulu en finir avec moi parce que j'avais ouvert ma bouche en fait, parce qu'il m'avait fait jurer de rien dire. Et j'ai ouvert ma bouche. Je sais même pas c'est qui l'a stoppé, mais bref, en tout cas, je suis sortie de la maison avec Erika. On s'est dit, tu sais quoi, on s'en va. Et les gars, je me sentais grave pas en sécurité chez moi. Je suis chez moi, même je ferme la porte à double tour, mais j'ai quand même peur parce qu'il y a le balcon, parce que j'habitais genre au rez-de-chaussée en fait. Parce que je me dis, vas-y, imagine, il passe par le balcon. Bref, en gros, le mec avait, je crois, il m'avait menacé, clairement, il m'avait menacé. En gros, il allait me faire je sais pas quoi, genre il sait où j'habite, nanana. Bref, donc du coup j'avais archi chaud les gars, j'avais super chaud. Donc j'ai appelé un de mes potes à moi, je lui ai expliqué l'histoire. Je lui ai dit voilà ce qui se passe et tout, moi je sais pas, je me sens pas en sécurité. Le mec m'a dit s'il y a un petit truc, s'il fait un petit truc ou il vient chez toi ou bien je sais pas quoi, tu m'appelles. Il m'a dit donne-moi son numéro. J'ai donné le numéro de Paul à mon ami. Mon ami l'a contacté pour lui dire tu ne la touches pas. Tu ne la touches pas, je sais pas tu veux faire quoi mais tu te calmes en fait. Bref, donc du coup voilà. Et moi, en fait, les gars, il s'est passé un truc après que j'arrive toujours pas à... Enfin, maintenant, j'ai compris, mais bon, sur le coup, je me suis dit, mais on est où là? Ma pote, donc Cindy, qui me contacte quelques jours après, je crois sur Snap ou un truc comme ça, elle me dit, ouais, Sarah, j'ai bien écouté ce que t'as dit, mais est-ce que je peux avoir des preuves, s'il te plaît? Et c'est là je lui dis, et en fait là je me rends compte que ben, j'ai pas de preuves. Je l'ai jamais enregistré, j'ai jamais pris de photos. Bref, j'ai pas de preuves en fait. Parce que à chaque fois que genre il faisait des trucs, c'était tellement rapide. Sur le coup en fait je me disais pas ouais putain faut que j'enregistre, ouais putain faut que je prenne en photo. Non, sur le coup je pensais pas à ça parce que c'était trop rapide en fait, tu vois. Et ça a jamais été, il m'a jamais envoyé de message ni quoi. Bref, elle me dit ouais envoie moi des preuves et tout parce que ton histoire elle est trop bizarre. Ok, je lui explique, j'ai dit moi franchement ma belle, voilà, je lui explique tout, j'ai dit voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est passé. Moi, toi, t'es ma copine depuis ça fait je sais pas combien d'années, jamais de la, tu me connais comme, enfin je sais pas comment t'expliquer en fait, jamais de la vie je pourrais inventer un truc pareil. Enfin c'est impossible en fait, jamais de la vie. Donc du coup en fait, quand dans sa manière de parler, j'ai compris que elle pense, enfin j'ai compris que pour elle je mentais. Genre pour elle je mentais, j'avais tout inventé, que c'était faux en fait. Dans sa manière de parler j'ai capté, tu vois. Et ça m'a fait tellement mal les gars, et ça m'a tellement piqué. Je pleurais tous les jours, je pleurais tous les jours, je priais Dieu pour que genre la vérité soit rétablie. Parce que tu peux pas, en tant que ma copine, tu peux pas m'accuser d'un truc comme ça, c'est trop grave ouais. Jamais de la vie je peux, en plus tu me connais, c'est ça le pire en fait. Donc la meuf a commencé à dire que oui franchement et tout, que moi je suis mauvaise. Bref, à m'insulter que oui que je suis mauvaise, que je suis ceci, je suis cela, que oui que moi j'ai aucune preuve et je balance un truc comme ça et tout machin, que je veux détruire je sais pas quoi la relation, que je vais détruire la relation ma copine frère. Le mec a réussi à lui tourner l'esprit, à tourner son cerveau, laver son cerveau et tout machin. Mes frères ils dorment ensemble, donc forcément il a le temps de se justifier pendant 100 ans. Elle m'a dit que oui non, que le gars a juré sur la tête de leur enfant. J'ai dit je sais, j'ai entendu qu'il a juré. Tu crois qui tu veux en vrai de vrai, tu vois. Moi je pensais juste être une copine loyale. Moi je pensais juste que c'était comme ça entre les copines. Quand il y avait un truc bizarre on devait se dire. Mais apparemment j'aurais dû fermer ma gueule en fait, tu vois. Et je me dis putain, et j'ai regretté après. J'ai regretté, je me suis dit mais en fait Sarah t'aurais dû te taire. Mais qui t'a envoyé d'aller raconter? T'aurais dû garder ça pour toi, fermer ta gueule et faire comme si de rien n'était en fait. Parce que là maintenant la copine, ta copine, son Paul, il a retourné son cerveau. Elle pense que c'est toi qui mens, que t'as inventé tout ça. Elle te croit pas. Maintenant c'est comme si, en fait dans leur tête à eux, le mec a tellement nié, le mec a tellement juré, que moi-même je m'assois, des fois je m'asseyais, je me demandais mais attends Sarah, assieds-toi bien. Rappelle-toi bien de ce que je me parlais à moi-même, les gars, je devenais folle, je me parlais à moi-même, genre Sarah, attends, assieds-toi bien. Est-ce que t'es sûr qu'il t'a dit ça? Est-ce que t'es sûr qu'il a dit ça ou bien t'as mal entendu? Même moi, j'avais des doutes. Je commençais à douter tellement que le mec était trop fort, tellement que le mec jurait, tellement que le mec disait que c'était impossible, tellement que la meuf aussi me mettait la pression pour dire que j'ai inventé. Donc ça fait que je m'asseyais et je me disais, mais attends, mais ou bien, attendez, laissez-moi bien réfléchir. J'ai bien entendu, ça s'est bien passé. Je suis pas folle, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et je me disais, mais attends, ou peut-être c'est moi qui ai mal compris, ou peut-être c'est moi qui ai mal entendu. Je me dis ça tous les jours. Peut-être j'ai mal entendu, peut-être j'ai mal compris, peut-être c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire que le mec même, j'arrivais limite même à prendre parti même pour lui, alors que tout ce que j'ai dit, en fait, il l'a vraiment fait, tu vois. Donc bref, j'ai dit à ma copine, tu sais quoi, y a pas de problème, tu veux pas me croire, y a aucun souci,
Moi je voulais juste être loyale, je voulais juste qu'au cas où demain s'il y a quelque chose, je voulais pas que ça retombe contre moi, on sait jamais dans la vie. Donc je me suis dit, moi toi t'es ma copine depuis super longtemps, t'es presque comme ma soeur. Donc ton mec il commence à faire des trucs bizarres avec moi, je m'éloigne, il continue jusqu'à venir chez moi et tout machin. Je dois te dire en fait, tu vois, moi c'est comme ça que j'ai pris la... c'est comme ça que je pensais. Donc la meuf et moi on a arrêté de se parler, les gars, moi je pleurais tous les jours parce que j'arrivais pas à croire que ma copine pouvait penser que moi j'étais capable de lui faire un truc pareil. Genre j'arrivais pas à croire, ça me faisait tellement mal. Donc bref, donc le temps est passé, je priais Dieu, hey, les gars, je priais Dieu chaque jour pour que la vérité se rétablisse chaque jour. Parce que je me dis, mais c'est impossible, impossible qu'elle pense ça de moi, c'est impossible que je... essaie. C'est impossible qu'elle pense que je puisse faire un truc comme ça. Genre, c'est pas croyable. Je peux pas accepter ça, c'est mort. Donc, du coup, les temps sont passés. Et comme Dieu est grand et Dieu est fort et Dieu est Dieu, un jour, ma copine m'appelle, donc Cindy, et elle me dit, oui, ça va et tout. Je dis, oui, ça va et toi. Elle me dit, oui, tu vas pas y croire. Je dis quoi? Elle me dit, franchement, je suis désolée parce que j'aurais dû t'écouter. Parce que j'ai trouvé ci dans son téléphone, j'ai trouvé ça dans son snap, j'ai trouvé ça dans son dans ses messages, j'ai trouvé ci, ça, ça avec telle meuf, telle meuf, telle meuf. Franchement, je sais plus quoi faire. Ah, ah bon. Ok. Ah, donc quoi? Donc je ne suis plus la menteuse. Tu vois que je n'ai pas menti. Donc s'il fait ça avec tout ça, ça veut dire que moi... Le moment où elle ne me croyait pas là, tout ce qu'ils ont sorti. Oh, on t'a donné des casseroles, on les veut, tu dois nous redonner. Vous vous souvenez les casseroles, là, le Tefal, là, le kit Tefal. Oh, on t'a donné un kit Tefal quand t'as déménagé, tu dois nous rembourser le kit Tefal ou tu dois nous redonner les casseroles Tefal. Oh, on a payé ci pour toi un jour, tu dois nous rembourser ça aussi, s'il te plaît. Oh, si, ça, ça. Oh, toi, quand t'étais chez nous, t'avais une caisse où tu gardais l'argent pendant que des fois, nous, on n'avait pas mangé. Les gars, ça, c'est faux. Parce que tu peux pas dire que j'avais une caisse en sachant qu'un jour on devait sortir et on a pris cette caisse là, on l'a ouverte, même ton copain a ouvert la caisse et on a enlevé des billets dedans pour sortir. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que j'avais une caisse et genre je faisais la crevarde et tout, c'est impossible. J'ai jamais fait la crevarde, moi je suis pas une crevarde. Je suis pas une crevarde. Oui, elle avait une caisse, elle gardait l'argent et tout machin, oui, pour déménager. Apparemment ça aussi ça gênait. Apparemment le kit Tefal, on veut le kit Tefal back. Si j'ai payé ça pour elle un jour, je veux ça encore, cet argent là tu me rembourses. Le kit Tefal tu rembourses. Quoi encore, t'avais une caisse où tu gardais l'argent, t'es une mauvaise personne. Oh, des fois toi t'étais là chez nous et tu dormais jusqu'à 11h. Mais écoutez-moi, si je travaille, je me lève pour aller au travail, je finis les soirs. Si le lendemain je travaille pas, j'ai le droit de dormir ou pas? Des fois en plus toi tu te lèves, t'es de mauvaise humeur, pourtant t'es chez les gens. Et... les gars, moi je suis quelqu'un, j'avoue, j'assume, je suis pas du matin. Des fois les matins quand je me lève, mon visage est tiré, j'ai pas forcément envie de rire, j'ai pas forcément envie de parler, tout machin. Ça arrive, tu vois. Bref, tout ça, ça a été dit contre ma personne, ça c'est pas grave. Bref, à la fin elle s'est rendue compte que j'avais pas menti. Parce que je n'ai absolument pas menti. Le mec et moi, on s'est plus jamais revus. Jusqu'à présent, ça fait 4 ans, on s'est jamais revus, on s'est jamais recroisés. De toute façon, j'habite même plus au Canada. On s'est jamais revus, on n'a jamais reparlé. Cindy et moi, des fois, on se parle. On n'a aucun problème, en tout cas, je pense. Hein, là, à présent, on n'a aucun problème. Bon, après, on est loin, donc c'est sûr que c'est pas comme avant ni quoi. Mais je veux dire, on n'a aucun problème. Donc, du coup, voilà. En plus, c'est une très bonne cliente. Elle paye les mèches avec moi beaucoup, beaucoup de mèches. C'est une très bonne cliente. Bref, donc, du coup, voilà, les gars, c'est tout pour cette story time. Franchement, les gars, est-ce qu'il y a une morale même de l'histoire? Morale de l'histoire, s'il y a un truc comme ça, je sais pas si vous devez dire, moi j'ai pas de morale, vous-même choisissez votre morale, vous-même, si vous arrive un truc comme ça, si vous voulez dire, dites, si vous voulez pas dire, ne dites pas, moi j'ai rien à vous conseiller sur ça parce que vous voyez dans quoi je me suis mise. Vous voyez dans quoi je me suis mise? Donc du coup voilà les gars, donc là je vais m'arrêter, la vidéo elle est trop longue, la story time elle est méga longue. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Likez, commentez, partagez, ma bouche elle est sèche, ma gorge est sèche, tout est sec ici sur moi. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner, likez, commentez, partagez. On se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.